Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle méditation. Aujourd'hui, je vous propose de laisser de côté les tracas du quotidien, les soucis journaliers, et de pouvoir se prendre quelques instants pour nous connecter à l'instant présent. Accéder ainsi, pendant quelques minutes seulement, à un lâcher-prise. Nous prendrons aussi quelques minutes pour remercier ce que l'univers, la vie, nous offre chaque jour, chaque minute. Dans une première étape, je vous propose de vous trouver un endroit calme où vous ne risquez pas d'être dérangé, d'éteindre votre portable et de vous asseoir, ou si vous le préférez, de vous allonger confortablement. Fermez ensuite les yeux et prenez quelques respirations profondes. Prenez une grande bouffée d'air par le nez. Sentez que cet air remplit vos poumons, que cet air est plus frais. Expirez lentement par la bouche, laissant s'en aller toutes les tensions de votre corps. À chaque expiration, sentez votre corps se détendre au fur et à mesure. Commencez par sentir cette relaxation et ce relâchement au niveau de vos pieds. Et imaginez comme une vague de détente qui monte lentement le long de votre corps. Au fur et à mesure que la vague monte, vous allez sentir vos muscles se détendre un par un, au niveau du tibia, des mollets, des genoux, au niveau des cuisses, de l'arrière des cuisses. Peu à peu, vous sentez également votre bassin se relâcher, votre bas-ventre, vos fessiers. Puis doucement, votre abdomen, votre bas du dos, tout le long de la colonne vertébrale. Sentez votre torse relâché, vos épaules tomber de chaque côté, votre cou, vos bras, votre tête. Prenez conscience ici de la détente de votre corps dans son entièreté. La plus petite fibre musculaire. Visualisez-vous maintenant dans un paysage agréable, vous procurant ainsi une sensation de légèreté, de sécurité et de détente. Visualisez que vous tenez dans vos mains une représentation de tout ce que vous portez comme soucis, comme tracas au quotidien. Cela peut être des ennuis avec une voiture tombant régulièrement en panne. Un lave-linge ou un lave-vaisselle ne fonctionne pas correctement. Des tensions avec vos collègues, votre mari, vos enfants. Peut-être est-ce des soucis plus personnels, une sensation d'infériorité, un manque d'estime de vous-même. Peut-être est-ce des soucis d'argent, de contrat,
Visualisez dans vos mains tout ce qui vous porte souci actuellement et faites-en une représentation, comme des chaînes très lourdes, un gros sac, un coffre rempli, lourd à porter. Peut-être est-ce une masse noire, un boulet, peu importe l'image qui vous vient, je vous invite à l'imaginer. Visualisez-vous à présent apportant cette représentation de vos tracas près d'une rivière paisible. Approchez-vous de l'eau et lorsque vous vous sentez suffisamment prête, laissez tomber doucement votre boulet, vos chaînes, la représentation imagée de vos soucis dans cette rivière. Le temps d'un instant, vous pouvez voir, emportée par le courant, cette masse sombre, lourde et pesante, s'éloigner de vous. Soyez attentive aux sensations que votre corps ressent face à ce relâchement, cet abandon. Vous pouvez observer l'eau, la rivière s'étendre au loin, emportant ainsi ce fardeau. Concentrez-vous sur votre respiration et sentez que les pulsations cardiaques s'apaisent, que l'air rentre et sort de vos poumons avec facilité, que votre souffle est régulier et calme. Connectez-vous à ce qui se passe réellement dans votre corps après avoir lâché ce que vous deviez lâcher dans cette rivière. Soyez attentif à la sensation corporelle, comme par exemple une contracture ou un relâchement, une tension ou une détente, une lourdeur ou un gain de légèreté. Soyez présent également à la température de l'air sur votre peau. Y a-t-il un courant d'air ? Ressentez-vous une sensation de chaud ou plutôt de frais ? Sur quelle partie de votre corps ? Puis basculez doucement votre attention sur les sons tout autour de vous. Vous pouvez capter la musique qu'il y a au fond, et vous pourriez même en sortir pour être plus présent à votre environnement actuel. Remarquez tous ces petits détails sans chercher à comprendre ce que c'est, ce que cela signifie pour vous ou comment réagit votre corps. Soyez juste présent, simplement, juste un observateur. Revenez ainsi à vous.
Je peux même vous proposer de placer vos deux mains sur votre cœur, au niveau de votre poitrine. Soyez présent pour vous à cet instant. Et pensez désormais à trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante aujourd'hui. Cela peut être des choses simples, comme juste le fait de simplement respirer, d'être en bonne santé, d'avoir un toit sur la tête, de quoi nourrir vos enfants. Cela peut être aussi remercier son animal de compagnie d'être aussi fidèle et câlin. Trois choses qui peuvent dépendre de votre environnement dans lequel vous êtes. Le ciel clair ce matin. Le paysage qui vous accompagne. La beauté d'une fleur qui éclot. Mais cela peut être vraiment plus personnel. Vous remerciez pour le chemin que vous avez accompli, pour la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez tout simplement remercier votre corps de pouvoir se mouvoir, de vous permettre de vivre, de voir, d'entendre ces choses extraordinaires que le monde nous offre. Pensez à ces trois choses. Visualisez chacune de ces choses en détail. Et invitez la gratitude à monter dans votre cœur. Laissez ce sentiment remplir tout votre être comme une douce lumière chaleureuse. Si vous avez du mal à ressentir la gratitude, visualisez juste les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Et sur chacune de ces choses, comme avec un pinceau magique, entourez-les d'un merci. Merci. Et laissez-vous embarquer dans une répétition. Merci pour. Merci à. Merci. Gardez en mémoire ce que vous ressentez à cet instant. Baignez dans cette gratitude infinie. Sentez le bien-être et la tranquillité vous envelopper. Et revenez dans cet endroit où vous étiez au début de notre visualisation. Cet endroit où vous vous sentez totalement en paix et heureuse. Cet endroit qui peut être un lieu réel ou imaginaire. Vous avez ici et là des fleurs, des arbres, ou du sable, des vagues. Peut-être est-ce en montagne, sur la plage. Peut-être est-ce un paysage lunaire, irréel, complètement imaginaire. Je vous invite à prendre quelques instants pour explorer cet endroit extraordinaire, vous laissant vous imprégner de chaque détail.
Voyez les différentes nuances de couleurs sur les arbres, la texture du sol, la couleur du ciel, la nuance de lumière. Est-ce un lever ou un coucher de soleil? Est-on en pleine journée? Y a-t-il des nuages dans le ciel? De quelle couleur sont les fleurs ou la végétation autour de vous? Je vous laisse visiter tranquillement, en paix, les alentours de ce merveilleux paysage. À un moment donné, vous voyez au loin comme un portail, une porte, un tunnel. Et vous commencez à prendre doucement conscience de votre corps et de votre environnement immédiat. Plus vous vous rapprochez de cette porte, de ce portail, plus vous sentez la présence de votre corps, les bruits, la température extérieure. Tout est de plus en plus imposant et en même temps léger. Et lorsque vous vous sentirez prête, vous pourrez traverser ce portail, cette porte, ce tunnel, pour enfin revenir à l'ici et maintenant. Vous pourrez ainsi bouger lentement vos doigts et vos orteils, prendre quelques respirations profondes, et quand vous vous sentirez vraiment prête à revenir, vous pourrez enfin ouvrir doucement vos yeux. Prenez un moment pour apprécier cette sensation de calme et de gratitude que vous avez ainsi cultivée durant quelques instants. Et sachez que vous pouvez revenir à cette visualisation à tout moment pour vous recentrer et lâcher prise. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne nuit. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une prochaine méditation. À bientôt.